Salut tout le monde! Bienvenue sur la chaîne de Final Kids. Aujourd'hui, on va à une vente de garage dans une école secondaire. Dans tout ça? Gymnase. Ouais. Puis on s'est fait dire, ben, on a fait un petit bout qu'on a vu la vente de garage, puis on s'est fait dire qu'il y avait des DVD, VHS, je sais pas. Ouais, on va sûrement en plein de DVD. Shit, là, Fait qu'on va aller voir ça. Je sais pas si on va se filmer à l'intérieur. Ouais, on va essayer. Là, si on a de l'air trop cave, on va peut-être arrêter ça. Ouais. Mais si on voit qu'il y a du stock pas fait, on va filmer. Sinon, j'ai des pyjamas d'enfants. des tankos, on va peut-être laisser faire. Là. Mais sinon. Ouais, fait qu'il y a un petit skatepark, ça c'est cool pareil. Mais non, ça, pis tu sais, dans le fond, c'est parce qu'aujourd'hui, on aurait aimé ça aller au Cinébazar Montréal, mais on s'est rendu compte que, premièrement, on n'a pas de cash assez pour que ça vaille la peine parce que tout est cher. Fait qu'on a décidé d'aller là à la vente de garage. Fait que on va aller faire un petit tour, on va voir qu'est-ce qu'il y a de bon. Bien, on va se retrouver dedans ou à l'extérieur après. Ouais. Adios! Retour de la chasse au film. On a trouvé quand même. On était quand même assez chanceux. Moi, pour ma part, j'ai trouvé Attack of the Killer Tomatoes. Yeah. Je sais pas c'est quoi la compagnie. Ça a l'air assez bootleg. Parle plus fort un peu. Mais t'es un peu rapproché là. Sinon, j'ai trouvé Bad Taste. Yeah. C'est tout, c'est la compagnie Substance. Je sais pas que ça a l'air, mais ce qu'on va voir. Ouais, ça a l'air bootleg un peu, mais en même temps. Ouais, mais John 2, il y en a un poignard de Substance. C'est peut-être la nouvelle compagnie du siècle, on sait pas. Mais en tout cas, pour moi, pour ma part, ça pour ça. Pourquoi à 3 piastres? 3 dollars. 3 piastres. Fait que quand même assez content. Sinon, il y a mieux des caméras. Là, il va falloir que tu te tournes de bord, je vais à ta place parce que le soleil, il va être dans. Ouais. What you got today, bitch? Ben, premièrement. Un gros crisse de steelbook des Gremlins. Quand même assez hot, c'est full épais. Pour quoi 5$ ça là? 5 points, celui de 5. Puis dans le fond, ça c'est un pâle, fait que région 2, mais on s'en crisse là, juste parce que j'étais un tripeux des Gremlins, ça me le prenait. Il est vraiment cool, ouais. Ouais, fait que ça. Sinon, Meet the Feebles, là, Peter Jackson encore. Ça c'est la même compagnie, je sais pas, il doit avoir comme une compagnie qui sortait juste les films de Peter Jackson, je sais pas. Tout. Ça a l'air quand même crissement amateur. Genre d'avoir la qualité là. Ouais, c'est all région, puis genre ça a été fait en 99, fait que c'est quand même assez vieux, on a hâte de voir. Sinon, After Midnight. Je sais pas c'est quoi, on a jamais vu ça, ça a l'air quand même hot là, si on se fie à l'arrière de la pochette là. Combien celle-là? 2$. Ouais. Ouais, il est en bon état. C'est un film des années 80, fait qu'on peut pas se tromper nécessairement avec ça d'habitude. Puis c'est un MGM. Ça dépend. Quoi? Ça dépend, non, mais dans le sens, ça risque d'être bon. Non, c'est cheesy, sûr. Cheesy, puis tout. C'est un MGM. Les MGM, d'habitude, comme ça, c'est des films. Les films d'horreur, d'habitude, sont quand même assez rares. Sinon, ça a l'air moyen en Chris. Freight.
Mais une affaire de clown encore, mais ouais. Ouais, une affaire de genre. Mind Check Stitch, on sait jamais. Ouais, c'est ça. Puis c'était une pièce, fait que c'est quand même pas si pire. Puis en dernier, ben là, c'est juste pour le trip de Changeling en VHS sur HBO vidéo. Fait que c'est quand même. Ça doit être une des premières versions là, qui sortait en VHS. Puis il a l'air en bonne shape. On va essayer de voir s'il marche encore, parce que des fois t'achètes des VHS puis il marche plus. Ouais. Mais il avait l'air en bonne shape. C'est drôle, ça vient d'une madame qui avait crissement la chienne qu'on la vole. Elle était comme tout en train de nous checker, c'était comme nous juger des yeux. Fait que on l'a encouragé quand même, puis après ça je pense qu'elle nous aimait bien. Salut tout le monde! Après avoir été au... comment ça s'appelle? Un bord de garage? On est allé dans les Dollarama, des magasins à dollars. Puis on a trouvé plein d'affaires super nice! Ouais, genre les dollars plus. Les dollars, ouais, c'est un rip-off des Dollarama, mais bref. J'ai trouvé ça. On t'en crie ça un peu, mais c'est pas grave. Je suis bien content. Tout ce qui fait été, c'est cool. Fait que même ça. Ouais, des beaux stickers G.I. Joe. Nice. Y'a-tu Storm Shadow? Non, mais y'a Shadow quelque chose. En plus, il y a un loup, mais c'est fucking badass. Ouais, un loup, attends un peu. Ça focus pas, mais un loup de con. Tout ce qui est années 80, je tripe Christine à acheter ça. Que ce soit des collants ou. Je vais sûrement crier ça dans le fond de mon garde-robe, puis je touche plus jamais. Ouais, les verres, là, les verres, il faudrait qu'on réussisse à montrer, ils sont comme. Ah, si, on voit pas, mais ils sont comme holographiques, là. Oh, ben, ouais. C'est super imbécile, des. Écoutez, chut. Le moins, le petit visu. Attends un peu, le. Mais c'est ça, ils sont comme holographiques là, vraiment. Ça vaut plus cher quand ça fait ces sons-là. Ça fait comme un effet 3 dimensions. Pis, t'en veux. Sinon, j'ai trouvé le THX 1138 dans une pharmacie, en fait. 6,99. Pis, j'avais. Sérieusement, j'ai crissement aucune idée de ce que c'était. Jugez-moi pas si vous me trouvez inculte, mais je savais vraiment pas c'était quoi, puis je pensais que c'était un petit film weird de mad. Puis finalement, j'ai tiré la bande-annonce, puis ça a l'air crissement cool, puis c'est un film de George Lucas. Mais ben, en fait, c'est pas de George Lucas. Parce que oui. Ouais, de George Lucas, ouais. Avec Robert Duvall puis Donald Pleasance. Donald. Oh my god, j'ai dit Robert Duvall, fait que. Ouais. Mais ouais, ça a l'air vraiment cool, puis c'est 6,99, c'est quand même. C'est quand même un bon achat, là. Puis on a checké sur. Amazon, ouais. Puis Amazon, il vaut comme 38. Fait que ça vaut. C'était un bon achat pour moi, tu vois. Fait que ça, je suis content. Puis en plus, c'est comme un blank buy, mais Chris de bon blank buy qui finit bien. Ouais, même moi, je trouve ça a l'air cool. Ouais, ça a l'air vraiment nice. Puis, tu sais, je pensais que ça avait comme un genre de style Clockwork Orange, mais. Traction futuriste. Mais avec le trailer, ça a comme l'air d'un Chris de Blade Runner. Plus. Ouais, il a l'air d'avoir l'action pas mal. Là. Ouais. Ouais, quand même beaucoup d'action. Pis, ça a été fait dans en quelle année ça? Ça a l'air vieux, man. Je pense que c'est un de ses premiers films. C'est 70. Ok. Ben, les films des années 70-80 qui sont futuristes, d'habitude, c'est fucking hot. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme un genre de Blade Runner, mais plus. Moi, je pense que c'est esthétique. Genre. Ouais. Tout est blanc, fucking, en tout cas. Mais, bref, je vais l'écouter, je vais en donner des nouvelles. Tout est blanc. C'est-tu un call raciste, ça? Non, Christ! Quoi, cette affaire-là? Puis, ouais, j'ai des connards aussi, Cobra. T'es-tu montré, esthétique? Mais, Chris, sont vraiment nice. Ouais. Fait que, t'avais-tu d'autres choses, là? Non, mais j'aurais peut-être une petite question, parce que je me suis rendu compte que dans le coffret des Gremlins qu'il y a ici, il y a comme vraiment de la place là, fait que d'après moi il y avait un petit livret ou un petit quelque chose qu'il y avait dans le coffret. Ah, bon. Ouais, on va le montrer. Là-dedans, tu sais, on voit qu'il y a un VHS qui rentrait là. Ouais. Fait que c'est ça, dans le fond, s'il y en a, vu que c'est un région 2 là, plus européen, j'aimerais aussi savoir s'il y en a de vous qui l'ont puis qui pourrait me dire s'il est complet ou s'il manque le livret ou si s'il manque quelque chose dans le fond là, juste pour mon information personnelle puisque sur internet on n'a rien trouvé là, qui dit qu'est-ce que le boîtier contenait. Fait que ce serait ça là hein? Des belles vies. Ouais. Fait que là dans le fond ça serait tout pour aujourd'hui. Merci vraiment à tout. Ouais, vraiment à tout. Merci d'avoir écouté. On va se revoir dans une prochaine vidéo en espérant que le beau temps continue et qu'on ait d'autres ventes de garage à faire. Il est supposé en avoir une autre la semaine prochaine, on va sûrement y aller, là, fait que, on va vous montrer ça. Yes, à la prochaine. Bye bye!